Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, que ma prière devant toi s'élève. Salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Avec moi, vous avez tenu dans l'épreuve. Alléluia. Les apôtres, Seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui. Alléluia. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Amen, Seigneur, nos captifs, comme les taureaux au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il leur apporte les gerbes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les apôtres, Seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui.
nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et sans péché devant sa face grâce à son amour. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié les secrets de mon Père. Alléluia. Il nous a prédestinés Fils adoptif par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce. La grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs. Je vous ai confié de mon Père. Alléluia. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude et capituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs de ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia.
Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Pour ceux que le Père attire à son Fils, et qui se prépare au baptême. Supplions la beauté du Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. For all those who retain human weakness, the spirit of hatred, jealousy, and the vices of the world, intensify them in the tenderness of your redemption. Por los ausentes, por los prisioneros, por la debilidad que nos oprime, por el justo perseguido, supliquemos a Jesús el Salvador. Pelos cristãos de todas as confissões, pelos nossos irmãos judeus e muçulmanos, e pelos homens de todas as religiões, invoquemos nosso Senhor. Per gli operai del Vangelo, per coloro che servono i loro fratelli con amore, preghiamo il Dio dei misericordiosi. Pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le juge de toute chair. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père. Donne-nous aujourd'hui
Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. À Dieu notre Père, qui vous a arraché au pouvoir des ténèbres et qui vous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, gloire et louange pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.